Salut à tous, c'est Sport Virtuel Roleplay, nouvelle vidéo aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs. Aujourd'hui, Aldoaï face à Palmeiras, deux équipes donc qui vont s'affronter. Aldoaï, je vous rappelle, si vous avez bien suivi le match du deuxième tour, Aldoaï s'est imposé 2 buts à 0, non 1 à 0 contre Ulsan Hyundai à l'éducation City Stadium. Et de son côté, Palmeiras n'a pas joué, donc les Brésiliens rentrent en lice. On rappelle que Palmeiras est tout simplement le tout récent vainqueur de la Copa Libertadores. Ils ont été vainqueurs donc samedi dernier, il y a une semaine, mais ça va faire bientôt une semaine, ça va faire 6 jours que Palmeiras a remporté la Copa Libertadores devant Santos 1 à 0. Donc voilà, une semaine après, nous allons donc voir comment cette équipe de Palmeiras va essayer de, j'ai pas envie de dire, j'ai envie de dire de contrecarrer le plan de Aldoaï, mais plutôt de se frayer une place en finale de ce mondial au Qatar. En face, il y a quand même Aldoaï, hein, invité surprise, qui a donc battu Ulsan Hyundai, vainqueur de la FC Champions League. Les compositions, je vais vous les dire rapidement. De côté Aldoaï, on aura tout simplement droit à un 5-4-1, avec Olunga en pointe notamment. Emilson Junior, qui avait marqué contre Ulsan Hyundai, sera titulaire. Benassia, capitaine et en défense. Voilà, sera là Karim Moutier. Avec Karimi, seront en milieu de terrain. Et côté Palmeiras, ce sera un 4-2-3-1. Felipe Melo, capitaine. Zerafael en attaque. Gabriel Silva en attaque en pointe de cette attaque de Palmeiras. Voilà, Danilo le jeune sera titulaire. En MDC avec Felipe Melo. On va donc bientôt démarrer cette rencontre. 19h en France, à Paris, 21h à Doha, c'est parti pour la première demi-finale de la Coupe du Mondial des clubs, ici, à l'Education City Stadium. Voilà, c'est parti, Aldoaï face à Palmeiras, les deux équipes cherchent une place en finale, une place historique en finale pour Aldoaï, et pourquoi pas une deuxième pour Palmeiras. Alors vraiment, je sais pas exactement si ils en ont fait une autre, puisque je vous rappelle que Palmeiras a emporté deux Copa Libertadores, et ça commence très fort avec une tête. Je crois que c'était c'est au-dessus, mais j'ai une première occasion là, c'est Olunga, ouais, qui touche le ballon de la tête, et déjà une première occasion pour Aldoaï. Doudou qui a touché le ballon, et Doudou qui va affronter son ancien club Palmeiras. On rappelle qu'il était à Palmeiras, et donc qu'il se retrouve face à son ancien club. Voilà, va-t-il faire une belle performance contre le champion de la Copa Libertadores? En tout cas, ça joue maintenant. Felipe Melo, Vinha touche ce ballon, la défense de Palmeiras va essayer de s'organiser. Danilo, oh, Danilo avec Rafael Veiga qui renverse de l'autre côté. Attention, le centre tendu, mais il a été dégagé par les défenseurs de Aldoaï. Et déjà, les premières occasions, alors c'est pas une occasion forcément ce qu'on vient de voir, mais voilà, déjà, on joue relâché du côté des deux équipes, même du côté des hommes Sabri Lamouchi, on essaye de jouer relâché, pourquoi pas aller chercher une finale dans son pays d'hôte. Ça serait tout de même une belle performance pour le club qatari. Zerafel qui gratte ce ballon. Oh, attention à cette tête. Ça a été repoussé et récupéré par les Qatariens. Et maintenant, oh, le ballon qui arrivait jusqu'à Olunga. Olunga qui a trouvé Doudou. Le Brésilien Doudou qui va essayer de. Oh, qui va se jouer un peu là. Et c'est Gomez qui va s'interposer devant le Brésilien. Les deux anciens coéquipiers, ils se retrouvent. De cette équipe de Palmeiras. Voilà, le centre, le long ballon là, directement sur la tête de Mehdi Benassia, qui va donc qui a bien gardé sa défense ce soir. Et même si ce ballon, ça va être pour le Kenyan Olunga, qui va trouver le Brésilien Doudou et qui va essayer de s'enfoncer maintenant. Maintenant, ça va être Mohamed qui a centré la tête, la première occasion aussi, le premier corner pour Aldoaï. Ça allait très vite là
sur ce côté droit. Le premier corner, il est frappé dans la surface. Ce sera Olunga qui a le touché. Deuxième chance, ça va directement être intercepté par Felipe Melo, le capitaine, qui va dégager ce ballon. Mais on s'est déjà fait des frayeurs là côté Palmeiras dans ce début de match. Et maintenant, on va essayer de revenir. Du coup, dans le camp, voilà, directement, on revient déjà sur le côté droit avec Doudou. Maintenant, c'est Mohamed Moussa qui va centrer. Va-t-il centrer? Non, il va donner au milieu de terrain. Le tir, ce sera au-dessus. Je crois que c'est Boudiaf qui a frappé. Ce aurait pu être une autre occasion d'un zéro. Et c'est pour l'instant, les opportunités, elles sont pour Aldouaï. Après 20 minutes de jeu à l'Education City Stadium, je vous rappelle donc. Une place en finale se joue. Oh, attention, à Bakri. Oh, attention là! Ouh, c'était un peu chaud là! Entre Al Bakri et son défenseur central. Alors, oui, Al Bakri, il a contrôlé le ballon. Mais il a oublié, je crois, en avançant dans sa course. Et du coup, ce serait de récupération pour Palmeiras. Il y aura une faute, ouais. Il y aura une faute sur Zé Raphaël. On va y revenir. Alors, la faute, il me semble assez légère, mais coup franc quand même. Felipe Melo pour le frapper sur la Gabriel Silva, non, il va pas la prendre de la tête. Et ce sera tout simplement donc un ballon récupéré pour les Qatariens. 25 minutes de jeu, 0 à 0 entre Aldouaï et Palmeiras. Il peut se passer beaucoup de choses dans ce match. Et pour l'instant, c'est Aldouaï qui a eu les meilleures occasions de ce match. Et vont-ils se découvrir maintenant les Brésiliens avec Gabriel Silva qui touche le ballon. Gabriel Silva avec Veiga. Gabriel Veron maintenant. Et la frappe, elle passe à côté. Il a gâché une bonne occasion, je pense, hein, Gabriel Veron. Parce que là, Gabriel Veron était bien servi là. Ouais, c'est vrai, Gabriel Veron, mais qui retrouve. Mais attention parce qu'il y a une nouvelle attaque là. Gabriel Veron qui retouche le ballon avec Gabriel Silva maintenant. Oh, quelle intervention. Je crois que c'est. Je crois que c'est non, Kimi. Je sais plus. En tout cas, c'est une très belle intervention là. Et maintenant, c'est pour Gabriel Veron, ce ballon. Gabriel Veron qui va provoquer, qui va frapper. Mais ce sera largement à côté. Ouais, ce sera une sortie de but. Donc, pour Al Bakri. Ouais, Al Bakri qui va se dégager. Et la tête. La tête là, Felipe Melo. Et oui, alors c'est Karimi hein, qui a. Allez, la touche. Moussa qui a touché ce ballon. Et attention maintenant, le ballon qui circule. Oh, attention, ouais, pas de faute sur Olunga. Olunga qui va trouver! Oh, c'est le but! C'est l'ouverture du score ici! Oh, à l'Education City Stadium! Le premier but pour Aldouaï. Et ça fait un zéro! Et oui, le premier but après une touche. Du jeu un peu rapide là pour Aldouaï. Et là je crois que c'est Karimi qui vient conclure ce joli mouvement. Alors regardez là il résiste à la charge déjà Oulunga. Et Oulunga ensuite va transmettre un ballon là, un super ballon dans le dos de la défense de Palmeiras. Ça fait but tout simplement. Ça fait but. Et je crois que c'est Gomez qui se fait tromper. Alors, on va revoir là sur l'alignement de la défense. Des joueurs de Palmeiras, alors qui, ouais, voilà, déjà, il y a un joueur qui sort, et là, dans le dos, du coup, ouais, c'est numéro 15, visiblement, ouais, c'est Gomez, c'est bien Gomez, hein, qui se fait prendre dans le dos, la passe dans le dos, et ça fait 1-0 maintenant pour Aldouaï, là, c'est déjà un bon début de match, plutôt, après, quand même, allez. C'était 10, les 10 dernières minutes étaient convenables avant ce but pour Aldouaï. Palmeiras avait pris un peu le dessus, mais là, Aldouaï ben, mène assez logiquement 1-0. Parce que quand même, on a eu un bon quart d'heure, même un bon quart d'heure d'observation, mais ensuite on a arrêté d'observer. Et là, maintenant, on est parti à l'attaque. Et c'est Aldouaï qui a pris le pas. Et il y aura un coup franc, il y aura une faute. Et un coup franc pour les Qatariens. Attention, hein, c'est surface arrêtée. Le coup franc, ça sera capté par Weverton, le gardien de Palmeiras, très expérimenté. Donc, le gardien qui a remporté notamment cette Copa Libertadores, mais aussi le dernier championnat. Alors, le dernier pour Palmeiras, bien sûr. C'était en 2017 qu'il a réussi. Et la touche qui trouve un joueur de Palmeiras, Felipe Melo. L'hispano-brésilien, pas de faute
sur ce joueur, le capitaine. Et maintenant, l'attaque va s'organiser là. Et attention, parce que ça peut être un peu dangereux là. Attention à Boudiaf qui a peut-être. Non, je crois que c'est Doudou plutôt. Ouais, pardon, c'est Doudou qui touche le ballon avec Mohamed Moussa. Mohamed Moussa, le crochet, le centre. Oh, ce but! Oh, magnifique! Magnifique but! Le deuxième but pour Aldouaï! C'est incroyable! Ce but! Signé, je crois que c'est. Alors attendez, j'ai pas le nom, c'est Oulunga! C'est Oulunga qui vient inscrire ce but! Mais qu'est-ce qu'il est magnifique! Oh là là, quel but! D'Oulunga, un geste d'attaquant impur! C'est incroyable! On va voir ce centre, il est pas bien positionné pourtant, hein! On va voir. Alors regardez, hein, on percute un peu, et on voit que c'est encore, ça vient encore de ce côté droit! Ce côté droit de Aldouaï et du côté gauche! De Palmeiras que le danger il est là et regarde ce centre voilà, le centre hein, assez normal et regarde ce il apprend de voler et c'est incroyable ce but hein, parce que regardez comment ça lobe Weverton qui ne peut rien pas faire grand chose hein. C'est bien joué c'est subtil techniquement ça fait 2-0 mais surtout c'est très bien joué de la part d'Oulunga. Oulunga fait du bon travail là sur ce but là. Vraiment là, voilà, ce petit lob, il est magnifique, vraiment. Se toucher, voilà, il avance vers le ballon au bon moment. Il a le bon timing. Il n'a peut-être pas la meilleure position, mais il a le bon timing pour prendre ce ballon un peu de volée et de marquer seulement un but, mais assez beau quand même. Hein. 2-0, c'est la surprise, oui, Aldouaï, le club qatarien. Et Palmeiras, c'est le score de 2 à 0. Palmeiras est mené 2 à 0 par Aldouaï. Alors c'est vraiment une surprise quand même. Hein, quand on voit le papier vraiment. Hein. Oui c'est vrai. Et ça peut pas être terminé. Et attention parce que en plus c'est un but marqué juste avant la mi-temps. C'est un but qui peut faire un peu mal hein, pour Palmeiras. Et attention parce que oui, problème dernière attaque, c'est Raphaël avec Gabriel Silva. Mais il s'est fait reprendre le Brésilien ou le dégagement de El Bakri. Oui, ce sera la mi-temps derrière. 2 à 0 pour Aldouaï face à Palmeiras. Mais on aura vu une première période. Eh bien, les équipes sont beaucoup observées. Mais quand Aldouaï s'est mis à l'attaque, ça fait mal. Exactement. Hein. On aura vu une première période bah, où une équipe. Aldouaï, mais déjà aura fait un premier quart d'heure assez bas dans le rythme, mais ensuite, ben, une fois que une fois que j'ai pas envie de dire, hein, on apprend à se connaître, ben voilà, ça fait 2-0 quoi. Enfin, surtout, c'est Aldouaï qui a réussi à bien contrer les joueurs de Palmeiras, mais après, est-ce que Palmeiras se débarrasse pas un peu vite du ballon? Mais Palmeiras, voilà, c'est pas qu'il se débarrasse vite du ballon, c'est juste voilà, ils jouent, ils essaient de jouer long, ils essaient de jouer leur jeu, ils essayent aussi de jouer comme ils savent jouer, hein, avec quelquefois les latéraux, les centres, les coups de pied arrêtés, alors il n'y en a pas eu beaucoup pour eux, hein, mais voilà, c'est ça, je pense, le jeu de Palmeiras. Même si je connais pas trop cette équipe, mais je pense que ça a été ça. Parce qu'on rappelle que Palmeiras a gagné la finale grâce à un but de la tête. Hein, lors de la dernière finale de la Copa Libertadores, c'était au Maracanã de Rio de Janeiro. Donc 2-0 pour Aldouaï. Ce serait une énorme surprise quand même de voir Aldouaï en finale. Eux qui n'étaient pas prévus dans le tournoi normalement. Oui, c'est vrai que. Oui, Palmeiras. Enfin, pardon. Aldouaï n'était pas prévu dans le tournoi puisque, oui, c'était en dépit du. Mais tout simplement du forfait d'Auckland City donc qui a fait que Aldouaï donc a dû participer à cette édition 2020 de la Copa ah, pardon, pas de la Copa Libertadores de la Coupe du Monde des clubs au Qatar. Alors oui on n'avait pas mis le pays organisateur parce qu'on voulait faire une Coupe du Monde des clubs avec les 6 et donc là on a gardé la même formule, sauf que c'est Aldouaï qui a été invité à la place de Auckland City. Voilà, on va repartir à Doha, à l'Education City Stadium, pour la seconde période de ce Aldouaï Palmeiras. Et on espère qu'on verra une réaction de Palmeiras, histoire de pimenter la rencontre, ou pourquoi pas une prolongation. Bien évidemment, ça reste à voir.
Voilà, le coup d'envoi de la seconde période, 2 à 0 pour Aldoua face Al Palmeiras. Comment vont réagir les Brésiliens, le vainqueur de la dernière Copa Libertadores? Eh bien, nous aurons la réponse dans 45 minutes ou plus, si bien sûr Palmeiras arrive à mettre deux buts et arracher une prolongation. Et ça commence maintenant avec une possession de Aldouaï avec Emilson Junior qui avait donné la victoire notamment à cette équipe, mais ce sera sur la tête. Je crois que c'est encore Oulunga qui touche le ballon, mais ce sera en sortie de but. Mais oui, on rappelle que Emilson Junior a donné la victoire à Aldouaï face à Houssen Houdaï lors du match d'ouverture de cette Coupe du Monde des clubs. Et attention maintenant avec Olunga qui touche le ballon. Oh, il résiste deux fois. Oh là là, de la passe de l'adversaire. Ouais, la frappe du Kényan et l'arrêt de Weverton. Quelle occasion pour Doualdouaï encore. Ouais, là, ça peut être le coup de massue, le 3-0 là, mais Weverton veillait. Il veillait. Et on voit que c'est Aldoua encore qui commence fort cette seconde période. Et encore un ballon gratté par ce tunnel break. Alors on aura vu aussi hein, une autre équipe dans le tournoi qui aura fait ça. C'est tout simplement Al Ahly qui a tout simplement causé beaucoup de problèmes aux Tigres. Et qui ont notamment sur deux buts, sur deux récupérations de balles quand même. Hein. Oui, bien sûr, hein, on mentionne ce fait-là. Mais c'est vrai que perdre le ballon au milieu de terrain, c'est une chose. Qu'il faut à tout prix éviter lorsque l'on fait un match de foot. Hein. Et maintenant, on voit que les joueurs d'Aldouaï font tourner, ils sont tranquilles puisqu'ils ont deux buts d'avance. Ils sont tranquilles, même parce que pour l'instant, ils sont en finale, tout simplement, cette Coupe du Monde des clubs. Et attention, parce que. Oh, le ballon qui a été donné à Olunga. Olunga qui se retrouve dans la surface, mais ça a été intercepté, puis dégagé en touche. Quelle occasion! Et il y aura une touche en faveur des. Qatarien, mais ça a été intercepté par le joueur de Palmeiras. Vont-ils donner un peu plus de tempo là, un peu plus de rythme dans cette seconde période? Alors là, j'espère qu'ils vont jouer un peu plus haut parce que première période, ils étaient pas, c'est pas qu'ils étaient pas assez haut, c'est juste que il faut là qu'ils mettent un pressing peut-être plus intense, peut-être empêcher les joueurs de Al Douaï d'être plus libres dans la construction de leur ballon parce que là, il y a déjà une demi-heure, une demi-heure, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Et ou peut-être qu'une demi-heure sera pas assez et on voit Gabriel Silva qui demande la faute mais il ne sera pas justifié. Le ballon récupéré par Danilo. Voilà, peut-être ça qui pourrait donner un peu d'allant à Palmeiras. Le ballon en bas sur le défenseur qui va encore un long ballon mais Benatia veille. Il veille, Mehdi Benatia, l'ancien de la Juventus du Turin et du Bayern Munich notamment. Et ce serait un corner pour Palmeiras. Celui-là a été joué à deux avec le centre, la tête! Ouh! Al Bakri qui était là sur cette tête de Rocha. Je crois que c'est Rocha plutôt que ça se dit. Mais en tout cas, ça a été une jolie occasion. Oui, regardez, Bassam Issam qui prend ce ballon. Attention, hein. Donc ça, je pense plutôt El Raoui et Doudou avec Oulunga. Karim Boudiaf qui va prendre ce ballon mais qui va se faire reprendre par la défense par la patrouille de Palmeiras. 67e minute, toujours 2 à 0, ce serait vraiment, mais je vous le dis, mesdames et messieurs, une très grosse surprise, à moins que cette frappe, ça a été contrée, cette frappe de Rafael Veiga, mais ce sera une occasion manquée déjà, et on arrive maintenant au dernier quart de la rencontre, tout simplement. Le dernier quart du match, dans les 20 dernières minutes, de ce doigt, Aldoua Palmeiras et ce ballon qui a été donné, la tête de Gabriel Silva vers Rafael Veiga, les deux qui combinent, Rafael Veiga! Oh la parade! L'arrêt de. Je crois que c'est Al Bakri encore qui sort ce ballon. Mais ils la veulent cette finale, vraiment, cette équipe de Aldoua. Et ça se sent. Ah oui, là ça se sent. Et là, on voit peut-être un changement de rythme là, côté Palmeiras. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Là, on va voir ça à la fin. On va voir ça à la fin parce qu'on regarde Doudou qui va centrer vers encore. Je crois que c'était Olunga qui est à l'affût. Et allez, le voici, Olunga. Mais il va frapper à côté. Ça sent très bon, un hein, cadre de la fin. Ça sent très très bon. Ce match, donc 2 à 0, je vous rappelle, le vainqueur de ce match sera tout simplement en finale de la Coupe du Monde des clubs dans ce même stade.
et affrontera soit l'FC Séville, soit Alahi réponse demain à 19h pour ce match qui sera décisif. Et Doudou qui va s'échapper et qui va peut-être se recentrer sur la tête d'Ulunga qui a été très sollicité ce soir, mais il ne touchera pas le ballon. Le Kenyan encore une fois et la contre-attaque des joueurs de Palmeiras. Et attention, ça peut être dangereux. Le ballon long sur la tête de Rafael Veiga, mais ça a été récupéré. Et on va jouer ça tranquillement. Côté Aldoué. Oh, attention, oh, attention. Yasser qui s'est trompé. Yasser parce qu'il a donné un but. Il a donné tout simplement un but à cette équipe de Palmeiras. C'est Gabriel Silva qui vient marquer ce but. Et ce match n'est pas terminé. Attention. Attention. Attention Aldoué. Parce qu'il va rester 10 minutes. Mais là, c'est une très très grosse erreur de Yasser. Ah, mais là, Yasser qui n'arrive pas à se dégager, de se défaire du pressing de Veiga. Et là, ensuite, ben, Veiga qui décale intelligemment à Gabriel Silva. Mais là, Veiga, il a beaucoup apporté dans la seconde. Ah non, c'est pas Veiga ça. Non. Je me suis trompé. Ce n'est pas Veiga, c'est Luan qui est venu presser, non? Je crois que oui, j'ai venu voir très en dos. En tout cas, on voit ce but, voilà cette frappe, mais qui profite hein, tout simplement à cette équipe. Alors, je sais pas qui a fait le pressing, qui allait presser Yasser, mais je crois que c'est Louane, vraiment. Le défenseur central, alors il est monté en attaque, et son pressing a été payant, puisque, regardez, ça fait but, ça fait surtout 2-1. Mais bon, est-ce que ce but n'a pas été marqué trop tard? On verra, puisque à 2 buts 1, rien n'est fait. Et il va rester 10 minutes hein, à jouer. Ouais, il restera bien 10 minutes dans ce match. Attention, attention, Palmeiras. Parce que. Plutôt attention à Aldoué. Parce que Palmeiras n'est pas mort. Mais attention, parce que Albrecht essaye de déborder là. Oh, attention, là, est-ce qu'il y a des solutions? Il en a pas visiblement. Il a essayé de rentrer dans la surface. Il a donné à Karimi la frappe de Karimi. Mais ça a été repoussé. Dégagé par les Brésiliens. Et attention, parce que. Oh là là, le ballon. Gabriel Silva, mais il est entouré de trois joueurs. Trois défenseurs de Aldoué pour essayer de. Contre cette attaque, et attention, le duel, le joli duel. Et là maintenant, avec. Non, ça a été perdu, ça a été dégagé. Et Olunga, qui va faire ce ballon, le ballon par-dessus, avec la tête, encore une fois. Et alors maintenant, on va tenter le tout pour le tout, là, côté Palmeiras. Il reste 5 minutes, 5 très très grosses minutes à jouer. Et attention, ce ballon long. Et non, ça a été intercepté, ça a été pris de la tête. Weverton qui la capte et qui relance très très vite l'équipe de Palmeiras. 3 minutes, 3 minutes, ici à l'Education City Stadium. Une finale historique. C'est Aldoué qui serait en finale pour l'instant. Et le ballon qui a été repoussé. Olunga qui a le touché. Oh, ça a été récupéré par Luan mais qui a vite perdu le ballon. Et attention, Emilson qui va s'enfoncer maintenant. Emilson, oh là, attention, attention, elle a le 3 au bout du pied là. Non, ça a été dégagé ensuite encore. Là, ça va d'un but à l'autre là, cette rencontre maintenant. Quel match hein, auquel on assiste aujourd'hui, vraiment, on n'est pas déçu. Et attention. Ouais, on va se dégager. Al-Raoui là, et pas faire la même erreur que Yasser. Benatia, oh là là, Benatia. Quelle indignation là de Benatia, le ballon qui ne va pas sortir. On est dans les arrêts de jeu, on est dans le temps en plus de cette rencontre. Si de Palmeiras ne marque pas, si le ballon sort, Palmeiras sera éliminé de la Copa Libertadores. Pardon, pas de la Copa Libertadores, puisqu'il l'a remporté, plutôt la Coupe du Monde des clubs, le centre. Ça a été repoussé. Weverton ne va pas dégager en touche. Il va essayer de trouver un joueur, mais ça trouvera personne. Ça trouvera Albrecht qui va essayer de. Oh, attention, bien joué. Attention, attention, pas mal de ballons là. Mais oui, attends, oui, ça a été vite perdu là de la part. Et attention, parce que Sultan Albrecht. Oh, le centre. Ça a été. Ouais, ça a été pour. Pour Weverton et Weverton qui a essayé de jouer long là encore. Allez! Allez, parce que un peu plus de spectacle. Allez, une prolongation. C'est ce que peut-être qu'on veut au fond, visiblement, dans ce match. Alors, est-ce que les équipes sont pas un peu émoussées physiquement? Parce que c'est vrai que. Il y a beaucoup de déchets là, mais en ce moment. C'est vrai que là, il y a beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de ballons.
C'est vrai que c'est plus la qualité en train de perdre, hein. On est en train de perdre la qualité de ce match. Ouais, mais attention tout de même, le centre. Oh, la barre d'Al Bakri! Et je pense que ça va être terminé sur ce centre-tir qui ne trouve pas Bakri. Non, il joue à la main, ils veulent la jouer à Al-Douaï. Alors, oh, c'est dangereux quand même de faire ça dans les dernières minutes. Sultan Al-Break qui va donner un ballon long vers Ulunga. Ulunga qui va se faire reprendre le ballon qui est trop taclé. Ulunga, attention, il peut tenter la volée. Ça a été là dégagé par Louane et c'est terminé. C'est fini. Victoire 2-1 de Al-Douaï. Al-Douaï va donc se retrouver en finale de la Coupe du Monde des clubs et affrontera soit Séville, soit Al Ahly. Réponse demain donc. Dans la prochaine vidéo de la chaîne. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben lâchez-y un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je peux vous dire quelque chose, c'est que samedi, non seulement il y aura cette demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, mais en plus il y aura donc entre Al Ahly et le FC Séville, mais en plus il y aura, oui, le tournoi destination qui va débuter par un Angleterre-Géorgie. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous de ce match. Angleterre-Géorgie, ce sera donc demain à 15h15, à 15h15, oui, 15h15, heure française, bien sûr, et à 14h15, à Twickenham, bien sûr, donc nous nous rendrons, tandis que l'équipe de France, si je me trompe pas, alors les amis, je suis pas sûr, mais je crois que dans le roleplay, la France affrontera les Pays de Galles, mais je vous redirai en tout cas lors de Angleterre-Géorgie. C'était tout pour moi, c'était soir virtuel roleplay, moi je vous dis. À la prochaine, plutôt à demain, pour l'autre demi-finale de la Coupe du Monde des clubs.